Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va faire un rapide tour de l'élevage. Là j'ai un peu de temps devant moi, il pleut pas. Donc on va faire le tour de l'élevage. On commence ça tout de suite avec les poulets. Ah, puis il y a une poule pondeuse. Elle s'est fait taper par les autres, du coup elle est avec les poulets. Les poulets, ils ont changé d'endroit, on peut voir. Bon, il y a le premier Ketawa de l'année, le premier petit Ketawa de l'année avec. Il y a quelques Kounis aussi. Donc ils sont dans l'abri de jardin en métal. Avec un petit parcours que je bouge. Là, il va falloir que je bouge parce que c'est de la terre. En 3 jours, ils ont tout rasé. Ensuite, je vais les laisser aller partout dans le terrain. Donc, ils sont dans l'abri pour la nuit. Le soir, je les enferme. Hein, je les ouvre le matin. Ils ont du granulé et de l'eau. Là, j'ai fait une cure de vinaigre de cidre. Avec l'abreuvoir que je vous ai présenté dans la dernière vidéo sur l'élevage de poulets. Voilà, donc ils grossissent vraiment bien. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Ils grossissent bien, ils s'habituent à être dehors. Voilà. Donc on va continuer tant qu'on y est sur les pigeons. Là ici on est chez les Kounis de Roumanie. 3 couples. Il y a un couple qui va pas tarder à pondre ici, un couple qui a 2 jeunes là, et un qui a un jeune ici. Tous les 3 sont bagués. Alors les 2 premiers jeunes de l'année, il y en a un qui est perché là et un qui est perché ici. Et il y a le rouge là qui tape tout le monde. Voilà. Donc pour l'instant, seulement 3 jeunes. Donc ça tombe bien, j'en veux pas énorme. Donc on verra. Alors, chez les voyageurs, bon, chez les voyageurs, il n'y a rien de spécial. La reproduction, elle a vraiment beaucoup de mal. Œuf clair ou jeune qui meurt. Bon, bref, là, on voit, il y a un blanc qui est né. Il va vraiment falloir que je nettoie les casiers aussi. Donc, voilà, je vais voir. Il n'y a absolument rien de spécial là-dedans. J'ai moins de couples que l'année dernière et je trouve que c'est encore trop. On va diminuer un peu. Voilà. Donc je vous reprends maintenant au lapin. Alors chez les lapins, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. J'ai sacrifié pour manger 4 jeunes croisés argentés de champagne, fauve de Bourgogne. Donc là on a la mère fauve de Bourgogne, argentée de champagne. Je vais vous montrer les autres vite fait. Les jeunes argentés de champagne qui commencent à prendre leur couleur. Il y en a 4. C'est 4 mâles. Et il y a 4 autres jeunes dans un autre tapis. J'ai séparé, j'ai profité que j'ai de la place. Donc là, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Mâle fauve de Bourgogne. Femelle fauve de Bourgogne. Normalement, pour le 12, on est 12 mai. On est on est le combien? Je sais plus, on est le combien. On est le 7 mai. Voilà. Alors là, clapier vide, qu'il y avait les lapins que j'ai fait. Femelle pour le 15 mai, fauve de Bourgogne. Ouais, il y en a une, c'est pour le 12, l'autre c'est pour le 15. Et à l'argent des champagne, c'est pour le 5 juin, je crois. Je l'ai mis il y a quelques jours au mâle. Et les 4 autres jeunes argentés de champagne. Il y a 2 femelles dedans et 2 mâles. Donc je garde une femelle. Donc ils grossissent assez bien. Ils commencent à prendre leur couleur. Le mâle argenté de champagne. Et on a également un mâle argenté, un mâle fauve de Bourgogne. Ici. Voilà. Donc, bon, rien de spécial, hein. Les vaccins ils ont été faits il n'y a pas longtemps. Bon, on va continuer. Alors, on va continuer à pied comme ça. Je vous ai expliqué en allant pourquoi les poulets sont dans l'abri en fer et plus dans l'abri en bois. La poule Ketawa et le coq. J'ai remis la poule avec le coq. Je l'ai séparé de ses poussins. Elle commence à répondre. Donc, les premiers œufs, ce sera pour la consommation et je vais la laisser recouver.
peut voir là. Hop. Voilà, elle a pas pendu, mais voilà, elle a pas encore pendu. Donc on continue. Et je vous montrerai le pourquoi des poulets. Enfin, je pense qu'on l'entend, vous allez l'entendre. Là, un mâle connu, canard connu. On a deux cannes qui se sont mises à couver. Je sais pas si on va le voir. Bon, il y a deux cannes qui se sont mises à couver ensemble. Et là. Donc là, c'est des colverts, hein. Même pas porteuses. C'est pour amener un peu de nouveau sang dans la race. En couvage, j'ai encore des œufs de canard connu. Alors les jeunes Ketawa, la poule. Bon, les coqs, on commence à distinguer les coqs des poules. Les coqs sont à vendre. Et je vais garder les poules. Pour éviter de... Mon but, c'est de faire des couvées naturelles uniquement. Bon, ça grandit gentiment. C'est long, c'est une race à croissance vraiment lente. Bon, ils sont déjà beaux. J'espère que la poule refera une deuxième couvée pour dire d'avoir une dizaine de poules. Donc les canards, ils sont ici du coup, ils couvent. Il y a les autres que je vous montrerai au bout du terrain. Alors là, on a la poule connue qui est avec le coq, du coup je la laisse avec... À la nouveauté, je vais vous montrer tout de suite. C'est des biquettes. Attends. Non. Tu sors pas maintenant. Voilà. Alors, deux chèvres naines, vraiment gentilles et gourmandes. Donc là, elles ont l'abri ici. J'aurais fait une petite mezzanine. Alors ils ont du foin, du grain. Voilà. Je les fais pas sortir en vue parce qu'il pleut. Donc ils ont tout ça. Bon, ils ont déjà déglingué la table. J'ai bien protégé le pêcher. Parce que ça va être sa fête sinon avec les chèvres. Voilà. Donc deux chèvres naines, je vous expliquerai après les projets pour l'année prochaine. Bon, la serre, je referai une vidéo sur la culture. Et ça va commencer à partir les plantes tomates. Les pondeuses, alors, sont toujours dans la serre. Plus pour longtemps, je vais les mettre à l'autre jardin. Je suis en train de faire un poulailler, il manque plus que faire un peu de clôture et puis elles iront en bas, elles auront accès à l'herbe comme ça. Bon, ça pond plutôt bien. Et il y a la cougne rousse qui repartira avec eux. Et la masse. Et la poule qui s'est fait abîmer, là elle revoit mieux, donc elle va repartir avec eux. Donc le jardin. Alors l'année prochaine ici, il n'y aura plus de jardin du tout. Les serres iront l'autre côté, alors jardin uniquement, l'autre côté sera uniquement potager. Et ici, ce sera tout pelouse. Alors, de l'abri des chèvres qu'on a vu jusqu'au bout, ce sera de la pelouse. Déjà, là, cette année, je cultiverai pas. Je vais semer du gazon. Et ce sera uniquement pour les chèvres. Et puis, les poules aussi. Alors ici, on a un couple de canards connus. La canne à la ponge, j'ai mis des œufs en couveuse. Ici, comme je vous dis, il pleut donc ils sortent pas. La poule connue avec ses 9 poussins. Bon, c'est des œufs que j'avais achetés. J'espère avoir un coq, c'est en connu. Apparemment, c'est tous des poules en connu. Donc ça m'embête un peu. J'ai pas envie de garder un coq couplumé. Bon, mais je vais bien voir. En tout cas, ils grandissent bien, ils sont là, ils ont l'aliment poussin mélangé avec du blé, de l'eau. Je vais donner un peu de pain aujourd'hui. Alors, dans ce nichoir-là, il n'y a rien, on est dans le parc des canards. On va aller voir. Hop. À
Alors, dans le parc, ici à côté, on a un canard connu, un mâle. On a une canne qui couve, 13 œufs. Et une autre qui couve 4 œufs. Bon, elle a pondu 4, elle s'est mise à couver, donc voilà. Et en couvet, j'ai 6 œufs de counu, de canard counu blanc. Et quelques sauvages. C'est normalement pour le 18 mai. Voilà. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Donc maintenant, bah, on a fait le tour. Comme je vous disais, les projets pour l'année prochaine, c'est ici pour les chèvres. Et tout ça jusqu'à retirer les serres, mettre à l'autre jardin, mais ça on fera ça cet hiver. Vous serez tenu au courant, on fera aussi des vidéos là-dessus. Donc si vous voulez des vidéos sur les chèvres, n'hésitez pas à me le demander. C'est bien, même si vous me le demandez pas, j'en ferai quand même quelques-unes. On n'a pas été voir les bernaches et les avoyes. Alors là, je mettrai quand même des tomates cette année. Là, il y a pommes de terre, tout ça. Donc, les choux déglingués par les pigeons. Alors, je vais en remettre de l'eau et du blé. Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais? Oui. T'as faim? Oui. T'as faim? Est-ce que t'as faim? Donc voilà, on voit. Claire, elle pousse bien. On a beaucoup d'eau, les températures elles sont à peu près bonnes. Par contre, je vois le mâle émeraude et pas la femelle. Comme celle-là, elle s'est mise à couver quelque part. Bon, je vais aller explorer et je. Ah bah non, je vais pas l'explorer parce que la voilà. Oh. Et voilà. Ils ont faim. Je vais leur remettre de l'eau et du blé. Ils ont que de l'eau et du blé et un peu de pain de temps en temps. Comme aujourd'hui, c'est dimanche et je fais tourner de pain pour tout le monde. Voilà. Donc, on a fait le tour de l'élevage. Hein. Je pense rien avoir oublié. Bon, la couveuse, vous l'avez déjà vue, c'est la couveuse bleue. Hein. Il y a des œufs de, je vous disais, de canard connu en blanc et en sauvage. Et il y a aussi des œufs de barbarie qu'on m'a donné. Voilà. Il y a le chien aussi. Je vous l'ai jamais montré, le chien. Non, on n'a jamais montré le chien. On ne t'a jamais montré. Non. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en ce moment. Hein. En ce moment, c'est beaucoup le jardin, les plants, tout ça. Et bon, on attend que le temps se remette bien. Et la nouveauté, les chèvres. Les chèvres et... Bon. Et je me répète, mais rien de spécial. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai une vidéo prochainement sur le potager. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!